Bonsoir à tous. Il y a quelque temps, je me trouvais dans la salle d'attente d'une gare et au terme de deux journées éprouvantes, je me réjouissais d'avance de lire un bon bouquin. Manque de chance, moins de deux minutes après, un homme assez jeune arrive, son téléphone portable à la main, la musique à plein tube. Je fulminais intérieurement. Je vous laisse imaginer mes jugements. Après avoir ruminé un certain temps, vu qu'il m'était devenu absolument impossible de lire, je me décidais à aller vers ce jeune homme et à lui dire « Excusez-moi, vous écoutez la musique avec le haut-parleur Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'écouteurs ou bien parce que vous avez envie de mettre de l'ambiance, de nous en faire profiter ?» Il me dit bah, :« Pas d'écouteurs. » À peine avais-je terminé ma phrase en lui disant que j'étais gênée, qu'un autre homme, jeune lui aussi, se lève, le sourire au visage, une deuxième paire d'écouteurs à la main, et lui dit, Tenez, j'en ai deux paires, est-ce que vous voulez Il dit, Bah oui. Il met ses écouteurs, il se rassied avec le sourire, et moi, je me rassieds aussi, assez éberlué, je dois dire. Imaginez ce que ça aurait donné si je lui avais dit, Vous pouvez pas mettre des écouteurs, non vous pouvez imaginer le processus d'agressivité qui en aurait découlé. En pareilles circonstances, nos réactions habituelles sont soit de nous taire et de n'en penser pas moins parce que nous avons peur de dire, ou de nous engager dans un processus d'agressivité assez néfaste. C'est en 1994 que des amis m'ont invité à une conférence de communication non violente. Je me demandais vraiment pourquoi ils m'invitaient parce que je passais pour quelqu'un de très gentil. De très serviable. Et ce soir-là, j'ai entendu un certain Marshall Rosenberg dire que la plupart d'entre nous sommes de nice dead persons, littéralement de gentilles personnes mortes. Je comprenais vraiment pas de quoi il parlait, je vous avoue que je trouvais ça assez stupide. Pour moi, j'étais médecin, la question de la vie et de la mort était assez tranchée, c'était plus la question de la mort qui me paraissait poser problème, je me sentais bien vivante, point barre. Mais néanmoins, dans les jours qui ont suivi, j'ai prêté davantage attention à, aux réactions de mes patients, de mes collègues et de moi-même. Et j'ai vu que la plupart du temps, quand il y avait une difficulté, nous réagissions à partir de nos préjugés et de nos peurs. Et que finalement, nous passions la plus grande partie de notre vie dans notre tête. Et j'ai commencé à comprendre ce que Rosenberg voulait dire quand il disait que nous étions des gentilles personnes mortes. Et je me suis vue moi-même comme une tête à pattes complètement déconnectée du reste de mon corps. Et j'ai réalisé en regardant les patients et mes collègues à nouveau que la plupart du temps nous n'écoutions ce qui se passe dans notre corps que quand nous tombions malades. Nous appelons ça somatiser. Et que le reste du temps voilà, peu importe ce qui se passe autour, euh, je dirais nous sommes vraiment déconnectés. Un autre un autre épisode, il y a quelques temps, je travaillais avec une équipe hospitalière, cette fois je n'étais plus médecin dans le service, mais j'accompagne et je forme des équipes, et j'avais des aides-soignants et des infirmiers qui étaient extrêmement mécontents des médecins et des chirurgiens, disant qu'ils étaient méprisants vis-à-vis -vis du personnel. Un infirmier m'a particulièrement marqué parce qu'il exprimait sa colère avec une très très grande vivacité, disant que les chirurgiens étaient de véritables chiens, maltraitants vis-à-vis -vis des patients, notamment en salle d'opération. Et je vous assure qu'il avait l'air extrêmement vivant tandis qu'il s'exprimait. Et pourtant, Rosenberg dit que quand nous sommes en colère, nous sommes morts. Alors, c'est quoi être vivant Être vivant, c'est ressentir instant par instant ce qui se passe dans notre corps. C'est ressentir nos émotions fortes comme la colère et la peur. Sentir le cœur qui s'accélère, sentir les sueurs, sentir les mâchoires qui serrent, les poings serrés prêts à bondir. C'est aussi prendre conscience de nos pensées, de nos images d'ennemis, telles que celles que je pouvais avoir vis-à-vis -vis de ce jeune dans la salle d'attente. Et puis, à partir de notre ressenti et de nos pensées, tourner son regard vers l'intérieur et se dire, mais au fond, voilà, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas Et se mettre en lien avec nos besoins, des aspirations, quelque chose qui n'est pas satisfait. Dans le cadre de ces soignants en service hospitalier, leur indignation, leur colère venaient d'un besoin de respect que tous les êtres humains soient traités avec respect. Vivre et travailler dans un climat de respect de la dignité de chacun, ça paraît normal. Cette capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous et à nommer nos sentiments et nos besoins est la première clé du vivre ensemble. Des chercheurs en sciences de l'éducation ont montré que la violence était liée à un déficit de langage intérieur, une difficulté à nommer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le fait de ressentir des sensations désagréables, des symptômes physiques, est hyper important. Une douleur m'informe que mon intégrité, que ma santé est menacée et va m'amener à consulter. De la même manière, des émotions ou des sensations désagréables, telles qu'une indignation face à un comportement, me mettent en contact avec un besoin de respect. Et il importe de faire grand cas de ces émotions et de ces sensations désagréables. Ce sont des clignotants, des signaux d'alarme. Faute d'en tenir compte, soit nous tombons malades, soit nous nous enfermons, nous en voulons aux autres, et tôt ou tard, tout le monde est perdant, nous faisons payer. Notre ressenti et le contact avec nos besoins, c'est ça qui va nous mettre en mouvement. Une douleur à la poitrine, naturellement, m'amène à décrocher mon téléphone, à aller voir le médecin, un cardiologue ou le SAMU si c'est sérieux. Une indignation face à un comportement me met en contact avec un besoin de respect, que chaque être humain soit respecté, et devrait m'amener à en faire quelque chose. Mais pourtant, ce n'est pas facile de dire. On a énormément de peurs qui vont nous retenir. Alors, dans l'exemple de la salle d'attente avec ce jeune, dans la salle d'attente de la gare, qu'est-ce qui m'a permis de m'exprimer, de prendre mon courage à deux mains Eh bien, ce sont deux autres clés. La première, c'est de me souvenir que les besoins de l'autre sont aussi importants que les miens. Ce jeune homme, dans la salle d'attente, il avait tout autant besoin de passer un bon moment et de se détendre que moi. Et la troisième clé, je dirais encore plus importante, c'est celle de l'intention. Quand je suis allée vers ce jeune homme, mon intention n'était aucunement qu'il arrête sa musique. C'était uniquement de créer un contact. La troisième clé de vivre ensemble et de l'art de se rendre la vie plus belle, c'est de mettre la relation en priorité au résultat. Ce qui veut dire que c'est uniquement une fois que j'ai eu digéré ma colère et mes images d'ennemis, que j'ai pu m'avancer vers cet homme libre de toute exigence à son égard et c'est là que la rencontre a pu se passer. Mais soyons honnêtes, j'y arrive pas tous les jours, je suis loin d'être parfaite et c'est pas le but. L'important c'est d'être simplement plus conscient de ce qui se passe pour nous. Mais ce qui m'aide, c'est de faire ce que je fais ce soir et ce que j'ai fait en préparant cette conférence, c'est me souvenir des moments où ça a marché et où cette relation de qualité, cette rencontre entre deux êtres humains a pu se passer. Et cette quatrième clé, c'est la gratitude. J'y reviendrai en détail tout à l'heure parce qu'elle est fondamentale pour se rendre la vie plus belle et pour euh, le vivre ensemble. Alors, je vous disais que ce n'est pas si facile d'y arriver parce qu'on a énormément de peurs à oser dire. Alors, que faire de nos peurs Premièrement, les reconnaître. Nos peurs, elles sont alimentées par les préjugés, les images que nous avons des autres, les jugements. Les jugements qui sont eux-mêmes alimentés par le manque de curiosité intellectuelle et la pensée toute faite. Nos peurs de dire, elles sont également alimentées par les étiquettes que nous nous mettons ou que les institutions dans lesquelles nous travaillons nous mettons. Très souvent en milieu hospitalier, les gens me disent "oui moi je ne suis qu'aide soignante ou agent de service hospitalier ou secrétaire ou même infirmière, je ne peux rien dire." Donc nous nous rapetissons et nous abdiquons notre pouvoir. Mais une des causes majeures de la peur d'oser dire, c'est la peur de la réaction de l'autre, la peur que ça casse le lien, ou la peur de perdre l'estime ou l'amitié, ou la peur parfois d'une violence physique qui nous retient, ça m'arrive parfois dans les transports en commun. Donc que faire C'est déjà ressentir la peur, faire le lien avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc les besoins. Dans le cadre de ces infirmiers ou de ces soignants, dans le service où ils avaient tellement ces images que les chirurgiens étaient des chiens, c'était le besoin d'être respecté, Puis en même temps, la peur de la hiérarchie faisait qu'ils n'osaient pas dire. Donc il y avait le besoin de sécurité par rapport aux sanctions. Mais très souvent, j'ai besoin d'être rassurée par la qualité du lien. Et le simple fait de connecter mon ressenti et mes besoins, en fait, me redresse et me redonne de la force. Quand j'ai l'impression d'être méprisée, j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur, je suis moi, le fait de contacter, que j'ai envie de vivre des relations d'égal à égal, déjà me redonne mon pouvoir. Et à partir du moment où j'ai récupéré mon pouvoir, je vais pouvoir parler et oser ma vulnérabilité. Et pouvoir exposer ma vulnérabilité, c'est également une force. Et vous pouvez le faire et vous allez le faire instantanément. Là, tout de suite, je vous propose de vous mettre en lien avec une situation dans un collectif auquel vous appartenez, dans lequel un besoin important pour vous n'est pas satisfait. Et sentez ce que ça fait dans votre corps. Maintenant, une autre clé importante, une autre composante importante de vivre ensemble, c'est l'empathie. L'empathie, ça veut dire se déplacer. Là, je vous ai parlé du contact avec soi, ce qu'on ressent. Maintenant, je vais vous proposer de vous déplacer et de décoller les étiquettes, les préjugés dont je parlais, pour chercher à rejoindre l'être humain et ce qu'il y a de vivant chez lui. Revenons à nos médecins. L'infirmier qui les traitait de véritables chiens, incidentement, dans le cours de la formation, je l'ai entendu dire Ah oui, un jour, il a dit Mais c'est parce que j'ai peur, en fait, c'est parce que je suis timide que je gueule. Et vous remarquerez que bien des attitudes de pouvoir et de domination, elles viennent en fait de peur inconsciente. Donc quand je leur ai fait travailler l'empathie, il a été en mesure de rejoindre l'humanité et de se rendre compte que quand il avait un comportement exécrable de mépris vis-à-vis -vis des patients, vis-à-vis -vis du personnel, en fait cet homme essayait de s'affirmer pour surmonter sa timidité. Et chemin faisant, tandis qu'il essayait de se relier à l'humanité de cet homme, il a constaté que ses peurs diminuaient et qu'il s'installait dans une relation d'égal à égal. Quelque temps après, il a pu revenir dans le service, et il a à nouveau été témoin d'une scène de mépris où le chirurgien s'exprimait d'une manière franchement déplaisante, et notamment aussi par rapport à une élève infirmière qui avait donné à manger à un malade qui, qui devait être à jeun. Il était vraiment odieux. Et il a respiré. Il a pensé à faire ce pas de côté et il a dit ⁇ Oui, j'ai l'impression que là, vous étiez vraiment énervé parce que ça, ça contrariait vraiment votre emploi du temps, ça a décalé l'intervention, etc. ⁇ Et à une autre occasion, il a pu lui dire ⁇ Est-ce que je peux quelque chose pour vous ?⁇ Donc vous voyez, du fait de se mettre dans cette attitude d'empathie, cet infirmier avait récupéré son pouvoir, deux êtres humains pouvaient se rencontrer dans leur humanité, dans leur vulnérabilité. C'est pas si facile et en même temps, c'est exceptionnel quand ça se passe. La quatrième clé du vivre ensemble, je vous le disais, c'est la gratitude. La gratitude, ça veut dire s'émerveiller de ce que les uns et les autres nous faisons au quotidien pour contribuer à rendre la vie plus belle. Ça peut être la gratitude vis-à-vis -vis de soi, la gratitude vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, la gratitude vis-à-vis -vis de l'univers. Dans l'exemple de la salle d'attente de la gare, je suis allée vers cet homme et je l'ai remercié chaleureusement du geste qu'il avait fait de tendre ses écouteurs. Et je lui ai dit que parce que bien sûr ça m'avait apporté du calme, mais que plus encore, son geste m'avait rassuré sur je dirais cet élan naturel qu'a l'être humain de contribuer à se rendre la vie plus belle. J'ai constaté que c'était ça mon besoin le plus important. Et en voyant le sourire de cet homme quand il avait tendu ses écouteurs et quand moi je l'ai remercié, j'ai vraiment senti que lui aussi, il avait eu énormément de joie à pouvoir contribuer à rendre la vie plus belle. Celle de ce jeune homme, la mienne, et puis celle des autres personnes dans la salle d'attente parce que le climat était assez tendu. Et là maintenant, je voudrais remercier les organisateurs de TEDx qui m'ont permis de réfléchir à ce thème de vivre ensemble. C'était pas mal de travail de préparer cette conférence pour faire concis. Mais ces deux mots se sont juxtaposés vivre et ensemble. Et je me suis rendu compte que pour bien vivre ensemble, il fallait déjà bien vivre avec soi-même et être vraiment vivant, être bien vivante, être un bon vivant. Et ce soir, je voulais vraiment vous offrir ces quatre clés pour être tous de bons vivants et se rendre mutuellement la vie plus belle. Un identifier, nommer notre sentier, nos besoins. Deux se souvenir que les besoins de l'autre et des autres sont aussi importants que les autres, que les nôtres. Troisièmement, placer la relation en priorité aux résultats. Et quatrièmement, accorder une grande place à la gratitude sans s'oublier soi-même. Dans la salle d'attente, pour être honnête à la fin dans le train, je me suis félicité d'avoir eu ce courage d'aller vers cet homme plutôt que de rester dans un silence toxique et d'infecter de polluer la salle d'attente avec ma colère et mes jugements parce que les jugements non exprimés sont souvent beaucoup plus violents qu'une bonne colère qui est exprimée. Et puis, je voudrais vous offrir une cinquième clé, qui est la plus importante, que vous allez pouvoir exercer, j'espère, dès ce soir ou même pendant le pot en sortant. C'est oser dire et demander pour que l'autre puisse avoir la joie d'exercer sa générosité. J'étais vraiment touchée de voir combien ce jeune homme était heureux d'avoir pu lui aussi faire un geste, exercer sa générosité. Je vous remercie.